gars, il y a une météorite qui apparaît dans genre 5 minutes. Météorite. Oh, c'est quoi la commande? J'ai vu un message dans le chat. Ouais, oh, ici. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être essayer d'y aller. Ça va nous prendre une pioche, par exemple. Ouais, on va prendre ça. Parce que si on meurt, ben voilà, c'est pas tellement grave. Il y avait... Attends, je vais m'éloigner de la météo TTP. Ok. Nos soucis, mon copain. Rayon, c'était un abo fidèle, si vous savez pas. Rayon, c'est lui qui nous avait donné du stuff, etc. Donc, on va rester en équipe avec lui. Je pense qu'on a le droit d'aller sur ce genre de serveur-là. Sur les launchers, etc. Je pense pas qu'il y a des règles contre les non-alliés, etc. Comme sur les HF. Et bien entendu, c'est juste pour poser un peu le gameplay. J'ai jamais fait de météorite, jamais, jamais, les amis, sur ce serveur-là. Donc, ça peut être intéressant de vous en proposer une. Je sais pas comment ça se passe, s'il y a beaucoup de gens qui PVP, etc. Et voilà. On va l'aider un peu vite fait. Là, il y a l'air d'avoir du fight ici. C'est toutes ses alliés, ça, ou non? Lui il m'attrape hier, mais il m'a laissé en vie. Celui est gentil. Je sais qu'il est gentil, t'inquiète. Ok, il faut peut-être monter des fois. Faut des blocs pour monter. J'ai juste 64 blocs. Je pense que ça va faire l'affaire. Ah, je suis en combat. Je vais me prendre des... Oui. Merci, jeune homme. Donc, ça dans 5 minutes. Comme je vous ai dit, je vais me prendre du bois. Au cas qu'il faut monter. On va laisser un peu de place d'inventaire. Comme ça. Et puis, je vous reprends dès que c'est prêt. Oh, on peut voir la météorite dans le coin ici, en bas de mon écran. Vous voyez, juste ici. On peut voir la météorite. On peut voir qu'elle apparaît ici. Dans exactement 2 minutes. Donc, il est genre fucking tôt le matin. Attendez, je vais vous dire, il est 3h58 du matin, les gars. Je viens de me réveiller. C'est le jour de Noël en plus. C'est le réveillon de Noël. C'est le 24 décembre. Alors que moi, je fais cette vidéo-là. Vous allez l'avoir dans vraiment beaucoup de temps. Parce qu'en fait, je m'en vais pendant un bon moment. Je serai pas là. Pour le temps des fêtes et tout, je pars quoi. Et donc je dois préparer pas mal de vidéos. J'ai tellement de vidéos sur skill, les amis. J'ai genre 7 vidéos sur skill. Et je dois rec aussi d'autres petites vidéos sur le côté. Mais j'ai tellement de vidéos, les amis. C'est abusé quoi. Vous en croirez pas vos yeux le nombre de vidéos que vous allez pouvoir écouter et voir et tout. Donc 30 secondes avant que ça tombe. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se ramènent. Je sais pas si c'est les gens sont genre gentils ou s'ils se fightent. Je sais pas comment ça se passe. J'ai jamais été à Météorite, les gars, sincèrement. Donc je sais pas comment ça se passe. Genre, est-ce que les gens ils se poussent en bas? Est-ce qu'il faut rusher? J'ai aucune idée comment ça se passe. Est-ce qu'elle tombe à terre? Est-ce qu'elle tombe dans les airs? The fuck? L'autre, il y en a un qui est tombé dedans. Comme un con. J'aurais peut-être dû prendre la skill pickaxe finalement. Ça a été peut-être mieux. Oups, désolé. Qui c'est qui se bat lui? Lui? Ok, attends, on va prendre un joint et on va se battre. On va se battre avec eux. On va quand même. Oh, c'est cool quand même l'animation que ça fait. Ça tombe genre à terre et tout. Moi, je vais prendre quand même la pierre de météorite. Parce que je sais pas s'il y a d'autres météorites. Je sais pas comment ça marche ce truc-là. Je suis vraiment noob à ce genre de choses, hein, les amis, vous le savez. Est-ce qu'il faut miner par là, genre, pour en trouver? Hey, va-t'en, toi! Tape-moi pas! Je suis gentil, mec! Tape-moi pas! Genre, comment on fait pour les trouver, les météorites? Comment ça marche? Je sais pas, moi, peut-être faut miner aléatoirement, puis en trouver, genre. Ou il y a peut-être une place spéciale où il y a les météorites qui spawnent. Ah ouais, c'est peut-être ça. C'est pour ça que les gens ils ont rush tout le mid, peut-être parce que, genre, il y en a plein au mid. Genre, c'est peut-être ça le problème. Ou ça le truc. Attends, on va voir, peut-être que... Ah, il m'en a donné une. Oh, merci, mec! On a metté, les gars. Super. Comme ça, ça nous aura pas voulu rien devenir. Mais, ah, c'est cool l'animation, j'en avais jamais fait. On va faire un peu, je vais juste regarder vite fait. Peut-être qu'il y en a d'autres, genre. Je sais vraiment pas comment ça se trouve. Faudrait que vous me le dites dans les commentaires, les amis. Genre, est-ce qu'ils sont en plein milieu? Est-ce qu'ils sont aléatoirement dedans? C'est comment ça se passe? Mais tout le monde est parti. Est-ce que je peux voir? Donc, on va... Qui est pas avec nous? C'est ça le truc, là. Je sais pas. Qui est pas avec nous? Ah, oh, lui, il est pas avec nous, c'est sûr. Lui, il arrête pas de taper tout le monde depuis tantôt. Lui, on va lui donner une leçon de vie. Allez, arrête de partir. Viens ici.
Ah, oh, ça aurait été beau qu'il tombe dans le gank. C'est bon, on est proche de lui, les gars. Faudra pas qu'il nous send trap. Est-ce que les métiers tombent toujours à la même place ou aléatoirement dans la map? Allez, on est tout seul, fight! What the fuck? Ma perle à la pollen! Ok, c'est de l'arnaque ça. Que je suis pas capable de le faire dans l'eau. Ah, c'est vrai, c'est pour faire le hook qu'il faut le faire. Land! Ok. J'en ai dit, Chris, ils veulent pas land, mes perles. Lui, il va bien que ton bro qui se fightait contre tout le monde, man. Oups. Laisse-le dans le trou, laisse-le dans le trou, laisse-le dans le trou. Si tu le laisses dans le trou, on va l'avoir. Pourquoi il creuse? Fuck, attends-toi. Y'a claim! No way! Let's go, Grisou, t'es capable, boy. Fuck. Il est là le gars. Il est juste le côté là. Ouais. Il a bien géré ce petit PD. Dommage, 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 parce que on l'avait les gars là. Oh my god, il était mort. Moi et Grisou, on était direct dessus les gars. Oh my god, ça fait chier. Putain. Bon, je retourne aux réformes. On a quand même eu 15 paires de météorites et puis une météore que le gars nous avait donné. Donc ça fait super plaisir. On va pouvoir créer un autre space pour faire notre Lando Chest le plus riche du monde en fait. On va avoir 4 full space. Si on est capable, après il faudra juste les mettre P4 U3. Voilà quoi. J'ai 20 ans, si vous ne saviez pas, les amis. J'ai 20 ans et toutes mes dents, bien sûr. La pierre de météorite, c'est pas si mal, mais on n'a pas tellement de besoin. On va quand même la mettre dans notre base, quoi. Et puis voilà. Donc, on se reprend pour une autre séquence tout de suite après. Oh les gars, on a trouvé un petit 1v1 qui pourrait être intéressant. Caramousse, je sais pas il est dans quelle faction, mais on va faire un petit 1v1 contre lui si ça le dérange pas. L'autre gars derrière, ça serait vraiment intéressant. Sachant que lui, il a du truc en bleu, nous aussi, donc ça peut vraiment être un combat vraiment rigolo et fun. En espérant juste qu'on soit pas tombé en bas, je pense pas qu'on va tomber en bas, je pense que ça va être un fight. Ok, il veut vraiment 1v1, c'est parfait, moi ça me dérange pas du tout, en espérant qu'il back juste pas. J'ai laissé tomber, j'ai rien dit. Il va back comme une grosse merde. Oh, je l'ai tué! Ta gueule. Ta gueule, je l'ai tué pour de vrai. Attends, comment on fait pour faire ça, là? What the fuck? Ça t'apprendra. Gros idiot. T'aurais vu qu'à pas fucking back dans ton AP. A plus dans le bus. Attends, on va rester là. Parce qu'il va tout le temps revenir à son home, je pense. Qu'on va le tuer, fait que son stuff va despawn. Fuck. Son stuff va pas despawn.
Fais chier. Bon, c'est pas grave. Applause dans le bus. On a Skip, il y a El Fuzio qui veut nous donner une base, à ce qui paraît. Moi, je sens que ça sent la trappe, mais... ça sent pas très bon tout ça. Hein. Je savais que c'était un piège. Oh là 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 là. Quoi? Yo les gars, Nekos nous a donné une petit P4, T3, etc. Ça fait plaisir, même si c'est pas beaucoup de stuff. Ça fait super plaisir. Il veut prendre un screen, lui. Donc on va prendre un screen avec lui. Et puis voilà, c'est le jour de Noël. Donc ça fait toujours plaisir. Un instant. Voilà. Yopidoubidou. Turek. Ouais. Voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Je dois aller manger en plus, donc rip. Oh, yep. Pidoubidou, yep, pidoubidou. Oh, t'es sérieux là? Tu veux faire la cancer comme ça? Merci. 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 T'as tout eu? Oui. Merci beaucoup, mec. Ça fait super plaisir. Bisous dans le bus. Yo, les gars, on se retrouve pour un don de Aragon Sky. Il vient juste de partir, mais il m'a donné un P4, un casque P4 Space avec des items comme ça. Aragon Sky, c'était un gars qui était dans mon ancienne faction. Si vous vous souvenez, j'étais dans la Burz quelque chose. Là, j'ai dit merci beaucoup. J'étais dans une faction avec lui, Amkotu et tout. Et puis, ça fait... Oh, il veut un screen, il est où? TPA Bird, cool, pas de soucis mon ami. Puis en gros ouais j'étais avec eux. Et vraiment une faction vraiment sympathique. Ils étaient super gentils, juste que j'avais envie d'aller avec mon ami Byfreeze dans le fond. Fait que j'ai quitté leur faction pour aller avec Byfreeze. Mais rien contre eux, c'est vraiment des gens super 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 sympathiques. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai failli me faire tuer. Oh wow. Belle base mec. Allez prenons un screen. Prenons un screen mon ami. Allez, je vais même te drop une pomme cheat, gros, c'est Noël. Ah, je l'ai récupéré, allez, rip. Tiens. Pomme cheat, tiens. Bisous, bisous. Yo, il y a Jesse qui nous fait un don, mais en fait, j'étais en train de... Depuis tantôt... en train de, depuis tantôt, me prendre la tête avec... avec Tia, enfin, on rigole, tu vois, elle est super... il ou elle est super, je sais pas si c'est un mec ou un gars. Elle a dit que c'était une fille, mais... pas sûr que c'est une fille, t'es un genre de pédophile. Tu essayes de avoir mon snap pour me violer. Jesse, merci pour ton don. 9 de creep, du titacite. Oh, titacite par exemple, ça c'est fucking bon parce que on en manquait justement pour créer des métiers. Ça va vraiment nous être utile. Tout ça, ensuite, tiens, je vais te donner la pierre de métiers, mais on va te pousser là. Prends ça. Et je sais pas si c'était nos stuff ou quoi, mais regarde, vu que c'est Noël aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël, prends ça.
Est-ce que t'as un full armure? Non, ça te prend ça pour avoir un full armure, je crois. Je suis pas certain. Je vais lui dire, message Jesse, t'as un full armure. Je sais pas les pièces que j'ai données. Puis on va lui donner une sharpness 5. Ok, on va lui donner une pump sheet. Ok, super. Et puis on va te donner... C'est tout. Ok mec, c'est dommage parce que j'en aurais eu besoin, mais regarde, c'est quoi? C'est le jour de l'an, le jour de Noël, le réveillon de Noël, je sais pas, peu importe. Donc je te le donne. Joyeux Noël, je vais lui dire joyeux Noël. Bisous bisous. Ok, Théa, elle se trouve vraiment rigolote, à ce qui paraît. Elle a fait une pump cheat, la salope de Icons, donc voilà, 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 voilà. Très mature les enfants. On se retrouve pour un don de Nordin... Ok. Oh, oui, j'ai un mec. Let's go. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, shit, what the fuck? Oh, yeah, baby! Yes, sir, man! Thank you very much, young man! Thank you, thank you! Oh my god, thank you very much, young man! Screen! Screen, mon pote! Tiens, screen! J'ai-tu mon kit que je pourrais donner? Je peux peut-être lui donner un kit, attends, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai des kits en plus. J'ai un kit partenaire plus que je vais lui donner parce que, tu sais, je suis gentil. Donc, tiens et... Tiens. Au moins, t'auras de quoi te mettre sur le dos. Bisous, mon ami. Oh, c'est un hoax. C'est un hoax, je le savais tellement. J'ai pas de potes, j'ai rien. Ok, ça c'est pas... T'as pas le droit, c'est un TP kill. Si tu me tues, je te banne. Je te banne personnellement! Ok, adieu. MDI, on a essayé de me TP kill, les amis. Je me suis TP à quelqu'un, il m'a dit « Ouais, j'ai un gros don, etc. » Puis en fait, c'était une trappe. Donc, je vais faire bannir le gars. Message. C'est quoi son pseudo? Allez, modo. Sir Valentin. Ma. TP kill. Comment je le fais bannir? Ouais, petit fils de pute. Bien essayé quand même. Bien essayé, petit fils de pute.